Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il se souvient toujours de son alliance. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Ses ordonnances sont véritables et affermies pour l'éternité. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus dans ce temple ce matin pour notre culte qui précède donc ce fameux culte qui a été annoncé, culte renouveau et guérison, qui est une première dans cette paroisse, je crois. Et nous avons souhaité, avec mon collègue, réfléchir au cours des cultes qui précèdent sur le thème très vaste de la parole qui guérit. Pour entrer dans ce culte, eh bien, je vous invite au chant et nous chanterons le psaume que j'ai lu en invocation et nous chanterons donc au numéro 55. Et les trois strophes de ce psaume. Rappelons-nous comment Jésus a confirmé la loi et les prophètes dans l'Évangile
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, au monde, il n'est nulle part où tu ne sois. Mais nous avons de la peine à le comprendre. À travers la course du temps, les jours, les années, les générations, tu nous appelles sans relâche. Mais il nous est difficile de t'entendre toujours. Tu es proche de nous, à notre main droite, comme dit le psalmiste. Tu es en nous. Mais souvent, nous nous imaginons abandonnés, délaissés. Telle est notre existence, oublieuse de ta présence. Pourtant, ô Dieu de Jésus-Christ, tu nous as fait ce que nous sommes pour être témoins de ce que tu es. Alors voici nos cœurs pour t'aimer, nos mains pour te servir et nos âmes pour te recevoir. Au cours de ce culte, réveille nos forces dormantes. Dispense les paroles qui guérissent les âmes meurtries et qui raniment la foi. Garde-nous pour la semaine qui s'ouvre dans ces dispositions, dont nous connaissons la fragilité. Et si nous venions à les oublier, pardonne-nous et aide-nous à recommencer, toi qui es le Dieu des éternels recommencements. De sorte que nous pourrons nous associer à ceux qui, ici-bas, luttent, peinent, espèrent et croient, malgré tant de démentis, que le dernier mot t'appartiendra. Et nous irons dans la certitude de la parole de Jésus-Christ, « Va, ne crains point. » Amen. Nous lisons dans le Deutéronome, au chapitre 32, les versets 44 à 47. Quand Moïse eut achevé de dire ces paroles à tout Israël, il conclut : Prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je témoigne aujourd'hui devant vous, et ordonnez à vos fils de veiller à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, car il ne s'agit pas d'une parole sans importance pour vous. Cette parole, c'est votre vie.
et c'est par elle que vous prolongerez vos jours. La seconde lecture est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre, 2, à un autre, 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu 1 seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit, « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Prions. Nous voici, Père, pour écouter, pour contempler. Nous voici pour croire, pour espérer et pour aimer. Nous voici avec nos faiblesses et nos aveuglements, avec nos hésitations à croire, à espérer et à aimer. Nous voici, Père, rassemblés par le désir de vivre en Christ. Donne-nous la joie de reconnaître sa présence en nous et parmi nous, et la liberté de lui confier nos vies. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 365, les 3 strophes. Au ciel, à toi, Seigneur.
Nous avons l'habitude de comprendre la parabole des talents en relation avec la seconde venue du Christ. Avant son départ, il a chargé les disciples et par extension chacun d'entre nous d'évangéliser le monde jusqu'à son retour, et les disciples sont prévenus qu'ils auront des comptes à rendre. Ce matin, je voudrais vous proposer une lecture beaucoup plus vaste que nos seules préoccupations d'Église. Et cette lecture m'a été inspirée par un ouvrage tout récent dû à Catherine Chalier qui s'intitule « Transmettre ». Elle part du principe que la parabole, en réalité, présente une conception globale de la vie humaine et de son sens telle que Jésus la voit et l'enseigne. Pour commencer, je rappelle que si dans l'Antiquité, le mot « talent » désignait une monnaie, il est devenu aujourd'hui, à cause de la célébrité de cette histoire, synonyme d'aptitude, de capacité, de don. Et on pourrait changer le titre de la parabole en « parabole des aptitudes négligées ». Le maître, donc, partage sa fortune à ses trois serviteurs en sommes inégales, à chacun selon sa force, est-il précisé. Et puis, il part en voyage. À son retour, il constate que deux serviteurs ont fait fructifier l'argent qui leur a été confié, mais pas le troisième. Le troisième, prétextant que le maître est dur et sévère, a préféré faire un trou dans la terre pour enfouir son talent et dans l'intention de le rendre tel quel. Le maître récompense les deux premiers serviteurs, mais ne manifeste aucune compréhension pour le troisième. Et même, vous avez entendu, il lui enlève l'unique talent qu'il a pour le donner aux autres et le rejette dans les ténèbres extérieures. Ce sont des images fortes et des images surprenantes. Elles recouvrent, elles déroulent une conception de la vie. C'est-à-dire qu'en venant au monde, chacun reçoit une part de don et une certaine force pour accomplir, réaliser ce don. Chacun est appelé à faire fructifier sa part, aussi petite soit-elle, dans le but d'ajouter quelque chose à ce monde. Une étincelle de nouveauté, fut-elle minuscule. Parce que la création n'est pas quelque chose de figé, ça n'est pas un ensemble immobile, elle est susceptible de s'enrichir et de croître sous l'action de l'homme. Il est écrit que Dieu se repose au septième jour. Nous comprenons qu'au huitième jour, il nous a laissé les clés du monde. Et c'est à nous d'ajouter notre étincelle à la création. C'est pourquoi il est essentiel, déjà, de prendre conscience de la force, de la dynamis, comme dit le texte grec, qui est en nous. Et ensuite, de trouver une direction dans laquelle nous allons pouvoir l'exercer.
Et à cette fin, bien sûr, l'Écriture sainte nous sert de guide. Elle nous tend un miroir irremplaçable. Dans ce miroir, je découvre ce à quoi je suis appelé et ce que je peux faire. Finalement, un culte, ça sert peut-être à ça, à se lire soi-même en écho de la parole de Dieu. Maintenant, la fortune du maître est répartie inégalement. Ces sommes d'argent différentes, elles sont bien sûr destinées à tester les capacités respectives des trois serviteurs, à savoir qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont reçu du ciel au départ, à la naissance. Nous voyons bien autour de nous qu'il y a des forts et des faibles, il y a des gens doués, d'autres qui le sont moins, des riches, des moins riches, des intelligents, des moins intelligents, etc. Chacun diffère par ses aptitudes, par ses inclinaisons, par sa singularité. Donc oui, effectivement, au départ, la distribution est inégale. Nous n'avons pas tous ni le même potentiel, ni les mêmes dons. Mais tout dépend de la façon dont on va exercer ce potentiel. Telle personne va gâcher un riche talent en le laissant inexploité. Vous en connaissez certainement. Et puis tel autre, moins doué en apparence, va être habile, user de ce qu'il a reçu, d'un jeu peut-être un peu moins excellent, pour faire fructifier sa part. Un bon jeu de cartes ne garantit pas de gagner la partie et un jeu plus moyen ne signifie pas qu'on va perdre. Alors bien sûr, il nous appartient en société d'établir des règles de justice et de respect qui soient communes à tout le monde afin de pallier au maximum les injustices et les inégalités naturelles. Ça, c'est le but de l'action politique, mais au sens noble et premier de ce mot, il reste, nous le savons bien, que cela ne fait pas tout. Nous avons entendu aussi que le troisième serviteur, lui, il ne joue pas le jeu. Il a caché dans la terre l'unique talent qu'il avait en attendant de le rendre au maître à son retour. Ce qui est une façon de dire, au fond, ce jeu de la vie dans lequel j'ai été appelé, je ne veux pas le jouer. Il vaut la peine de se demander pourquoi. Parce que c'est peut-être là le cœur de la parabole. Le troisième serviteur plaide la peur. J'ai eu peur. Il a peur de son maître. Il a peur d'accomplir la tâche qui lui a été confiée. Peut-être redoute-t-il d'échouer. Peut-être aussi y a-t-il dans cette peur un peu de jalousie ou de ressentiment. Pourquoi lui seulement un, alors que l'autre deux et encore l'autre cinq? Le ressentiment et la jalousie, ce sont des entraves très puissantes à l'épanouissement d'une personne. Ça constitue une tentation permanente. C'est la raison pour laquelle on la trouve dans le dixième commandement. Tu ne convoiteras pas, c'est-à-dire tu ne jalouseras pas ce qui ne t'appartient pas. Et pourquoi? Mais parce que en jalousant, en convoitant, tu te détournes de ton propre chemin. Tu perds de vue ce que tu as en regrettant de ne pas avoir ce qu'ont les autres.
Et puis, cette peur qui est éprouvée par le serviteur, c'est aussi le symptôme de son manque de confiance, de son absence d'assurance. Il ne se sent pas approuvé. La conséquence, c'est qu'il va enterrer ce qu'il a à faire. Il va négliger ses forces et ses aptitudes. Et finalement, ça veut dire qu'il va passer à côté de sa vie. Ce qui lui a manqué, ou peut-être ce qu'il n'a pas su entendre, c'est la parole d'encouragement et de bénédiction qui doit le porter en avant. Dans l'éducation d'un enfant, par exemple, il est capital de transmettre à cet enfant, avant toute chose, ce que j'appellerais l'appel à la vie, de sorte que l'enfant sente qu'autour de lui, les adultes qui l'entourent se réjouissent simplement qu'il existe, se réjouissent qu'il grandisse, sans calcul. La génération des parents, elle a pour mission de transmettre à la génération qui suit l'appel à la vie qui va lui permettre de prendre la responsabilité du monde. Et Jésus, en racontant cette histoire, eh bien, il nous raconte la substance de l'Évangile, finalement, qui adresse à chacun la bénédiction et l'approbation de Dieu sous la forme d'une parole, vous savez, la bonne nouvelle. Oui, la nouvelle est bonne parce qu'elle nous relie à la source de la vie. Et j'en viens maintenant au culte que nous allons célébrer dimanche prochain, qui est intitulé « Culte renouveau guérison ». Peut-être ce serait plutôt un culte d'appel à la vie, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire réentendre à ceux qui le souhaitent, parce qu'ils sont dans la difficulté, dans la peine, dans tout ce que notre existence parfois peut avoir de négatif, qu'ils puissent réentendre pour eux-mêmes cette bénédiction fondamentale de l'Évangile, cet appel à la vie, cette parole qui peut-être va permettre que ça donne un déclic pour se porter en avant. Cet appel à la vie, c'est au fond le viatique qui nous est toujours nécessaire, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Sans cette parole, nous risquons d'être la proie du désespoir, de l'absence d'assurance et de l'immobilisme, ce qui arrive au troisième serviteur. Pour avancer dans l'existence, avant toute chose, nous avons besoin de savoir que nous sommes bénis et que nous sommes approuvés. Et dans les dernières paroles de Moïse, parce que les paroles du Deutéronome qui ont été lues en première partie sont les dernières paroles de Moïse avant sa fin, ce n'est pas pour vous une parole creuse, mais c'est votre vie. Et c'est par elle que vous allez prolonger vos jours. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il reste un point à éclaircir. Ce n'est pas le plus simple. Pourquoi la réaction du maître à l'égard du serviteur craintif est-elle à ce point impitoyable? Est-ce que Jésus n'aurait pas dû, enfin Jésus, oui ça peut être lui, mais est-ce que le maître n'aurait pas dû avoir compassion de lui plutôt que de le précipiter dans les ténèbres extérieures? Pourquoi ce rejet? La réponse tient en deux volets. Le premier volet, c'est de bien considérer que, en réalité, Jésus ne parle pas de trois personnes distinctes. Il parle de chacun d'entre nous. Il parle de l'âme de chacun d'entre nous. C'est-à-dire ces trois serviteurs. En fait, il y en a deux. Il y en a deux qui se débrouillent bien et un qui se débrouille mal.
ces deux serviteurs, l'un joyeux et travailleur, l'autre triste et paresseux, ils représentent des parts de nous-mêmes. Ces parts de nous-mêmes qui s'affrontent parfois en nous et entre lesquelles nous devons décider. Ces inclinaisons contraires qui nous habitent. Et cette lecture a l'avantage de congédier des spéculations assez douteuses pour trier afin de savoir ceux qui vont aller au royaume des cieux et ceux qui n'y auront pas accès. En réalité, la question se pose autrement. Ce que ce texte nous dit, c'est que toutes les parts de nous-mêmes n'iront pas dans le royaume, seulement certaines. Le second volet de la réponse, c'est le motif de la condamnation finale. Il s'agit de l'idolâtrie. L'idolâtrie, en quoi ça consiste ? Très simple, à se fabriquer des images de Dieu et à leur obéir. Plus souvent qu'on ne pense d'ailleurs, nous nous faisons de telles images et nous leur obéissons. Le troisième serviteur, il a cultivé l'image d'un Dieu autoritaire, dur et sévère. Et évidemment, il n'a pas eu envie de suivre ce Dieu sévère. Alors au fond, il manifeste une résistance passive en ne faisant rien. Il se fait de Dieu une image négative, et cette image négative de Dieu, elle fait peur. L'appel à la vie cède alors la place à l'appel à ne rien faire. On doit bien reconnaître que notre esprit, c'est un inlassable fabricant d'images. Et quelquefois, la voix de ces images, elle recouvre la parole du vrai Dieu. Cette part-là de nous-mêmes, car nous l'avons tous, elle est condamnée. Elle est rejetée parce qu'elle nous détourne du chemin de la vie. Elle immobilise notre force, notre dynamis, celle que nous avons reçue à la naissance. D'ailleurs, je trouve que ce motif des ténèbres extérieures, où il y a des pleurs et des grincements de dents, est par lui-même intéressant. Il désigne un état de confusion dans lequel on ne peut plus rien distinguer, plus rien voir. Un état qui est en dehors de la vie. On ne peut pas y trouver sa vocation, on ne peut rien entendre, comme paroles qui viennent d'ailleurs, et on ne peut pas comprendre le sens de notre liberté. Et ça finit en désespoir et en tristesse. C'est-à-dire exactement tout ce que Dieu ne veut pas pour nous et tout ce dont sa parole entend nous éloigner. Alors qu'il reste, que reste-t-il ? Il reste l'autre part, la part de la foi, mais de la foi au sens de reprendre confiance dans la vie, être joyeux d'être au monde et d'y voir clair, la jubilation silencieuse de l'existence, l'émotion qui nous saisit devant tant de beauté qui nous est offerte, la satisfaction d'aimer les autres comme on est aimé soi-même, la joie qui nous sauve de la tristesse et de la mélancolie. C'est ça le projet de Dieu pour nous. Et s'il fallait résumer l'appel à la vie en une seule formule, je prendrais celle-ci: entre dans la joie de ton maître. Amen.
Loué sois-tu, Seigneur, de ta présence invisible qui nous porte, qui nous soutient sur le chemin de la vie. Loué sois-tu de ta paix qui calme nos tumultes intérieurs et éclaire notre obscurité. Loué sois-tu de ta parole en Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, lit-on dans l'Évangile, Jésus prit du pain, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous invite à chanter au numéro 226. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, rassemblés autour de cette table, nous rappelons l'œuvre, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton serviteur et notre Maître. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, afin qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au Christ, éternellement vivant. Et à cet instant, nous te prions pour nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, nos connaissances, nos collègues, nos voisins, que tu as placés auprès de nous. Fais que nous les acceptions tels qu'ils sont, avec celles et ceux qui partagent notre quotidien, fais que nos choix face à eux reflètent la générosité de ton amour. Avec eux qui partagent avec nous les bonheurs, les soucis et les luttes de la vie, donne-nous de comprendre qu'ils ont leur mission, leur étincelle, et qu'ils vivent pour ta plus grande gloire.
Garde-nous fidèles dans les petites choses comme dans les grandes. Et d'une seule voix, nous faisons monter à Dieu maintenant la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est le signe de notre communion avec celui par qui nous sommes les enfants du Père. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de notre communion avec celui qui est vivant à jamais. Venez, car tout est prêt, la table sainte appartient au Seigneur et c'est lui qui vous invite. J'invite aussi les conseillers à bien vouloir s'approcher. Ô Dieu, toi qui es la source de notre être, garde-nous ouverts à ta présence. Par cette communion, tu fais jaillir en nous une espérance, espérance que rien ni personne ne pourra désormais nous séparer de toi. À toi la gloire et à nous la joie, à jamais. Après le culte, il y a l'après-culte, qui est un moment plus convivial et vous êtes chaleureusement invités à partager cet instant. Si vous souhaitez avoir le texte de la prédication, il est disponible à la sortie, comme d'habitude. Et pendant le chant, nous allons procéder à l'offrande. Et soyez d'avance remerciés de votre générosité qui nous permet de poursuivre notre tâche dans cette paroisse. Et donc, nous allons chanter au numéro... au numéro 425, pendant que votre offrande sera recueillie par les conseillers. Nous nous levons pour chanter. Lorsqu'en sa bienveillance, mon Dieu m'a...